Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition de TV Plus Madagascar, dont voici tout de suite les titres. La prolifération de fausses informations sur Internet représente une menace pour le journalisme, a déclaré la ministre de la Communication et de la Culture. Cette dernière a souligné lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse que le journalisme s'est effondré depuis l'introduction d'Internet, notamment des réseaux sociaux, à Madagascar. Le journalisme à Madagascar est menacé par l'évolution des technologies. Selon les explications d'un journaliste qui a exercé le métier de longue date, en effet, les informations non fondées et non recoupées telles que les rumeurs envahissent les réseaux sociaux et sont gobées telles quelles par le public actuellement. Le président André Azoulay a priorisé la construction de nombreuses infrastructures d'envergure, notamment dans les domaines du logement, de la santé, du sport, du transport et de la justice en 5 ans d'exercice du pouvoir, d'après les chiffres émanant de la présidence. Propagande politique, manipulation économique, faux contenus générés par l'intelligence artificielle, la désinformation au sens large est une menace majeure pour la liberté de la presse, dont le monde s'alarme, Reporters sans frontières. À la une ce soir, la prolifération de fausses informations sur Internet représente une menace pour le journalisme, a déclaré la ministre de la Communication et de la Culture. Cette dernière a souligné lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse que le journalisme s'est effondré depuis l'introduction d'Internet, notamment des réseaux sociaux à Madagascar. Tous les internautes se prennent pour des journalistes de sorte que la diffusion de fausses nouvelles est encouragée. La ministre de la Communication et de la Culture a tenu ce jour une conférence sur la régulation des réseaux numériques à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Reportage d'Elisa Herman sur les images d'Eric Renefson. Le métier de journaliste a perdu ses lettres de noblesse de nos jours. Beaucoup de journalistes exercent la profession sans même avoir suivi de formation, a indiqué la ministre de la Communication et de la Culture. La diffusion de fausses informations est devenue monnaie courante, en particulier sur Internet. Les citoyens sont nombreux à créer de nouvelles pages d'information sur les réseaux sociaux. Cependant, certaines de ces pages diffusent de fausses informations. Les réseaux sociaux ne sont plus utilisés à bon escient aujourd'hui car ils sont devenus le théâtre d'escroquerie, une plateforme de jugement, un moyen permettant d'humilier les gens et de critiquer la vie privée des célébrités. Le journalisme est menacé par les activités de ceux qui répondent de fausses informations, a déclaré la ministre de la Communication et de la Culture. Internet ne permet plus de s'informer de manière fiable en raison de la prolifération des fausses informations. L'arrivée d'Internet a modifié considérablement le paysage de l'information. Elles ont ouvert une brèche que le monde du journalisme n'a pas, malheureusement, réussi à combler. Dès 1997, ce qui est qualifié pour la première fois des réseaux sociaux voit le jour, 63s.com. Mais c'est réellement en 2006, avec l'ouverture d'accès au public de Facebook, que les choses vont radicalement changer. En 2023, soit 17 ans après le début de l'utilisation de masse des réseaux sociaux, la désinformation causée par l'utilisation non maîtrisée des réseaux sociaux fait partie des menaces à la liberté de la presse. Des attestations ont été distribuées aux journalistes ayant suivi des formations lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
Le journalisme à Madagascar est menacé par l'évolution des technologies, selon les explications d'un journaliste qui a exercé le métier de longue date. En effet, les informations non fondées et non recoupées, telles que les rumeurs, envahissent les réseaux sociaux et sont gobées telles quelles par le public actuellement. Ces informations sans fondement, mais pourtant largement répandues, impactent la société et l'éducation de la population. Face à cette réalité, les journalistes et les organes de presse devraient être à la pointe des nouvelles technologies afin d'offrir à temps des informations fiables et justifiées à la population. Selon toujours FA, Angie Aman arrive en cette journée mondiale de la liberté de la presse. On se demande si la presse à Madagascar est réellement libre. Selon FA, Angie Aman arrive, un journaliste disposant de plusieurs années d'expérience dans le métier. La situation est devenue de plus en plus compliquée actuellement. Non pas à cause de la réalité politique dans le pays, à laquelle les journalistes sont déjà habitués, selon ses dires, mais en raison de l'évolution technologique actuelle qui semble dépasser le métier. En effet, les journalistes restent impuissants face aux informations infondées et non recoupées répandues à grande échelle sur les réseaux sociaux depuis ces dernières années. Et ce sont ces informations-là qui participent à l'éducation du public. En général, les points de vue de la population se basent donc sur des faits non justifiés et des rumeurs sans fondement. Une situation qui n'affecte pas seulement la masse populaire, mais également certaines autorités du pays. Or, les journalistes ont une part de responsabilité dans l'éducation des citoyens. Dans cette optique donc, les journalistes devraient améliorer leur intervention et être plus rapides dans la diffusion d'informations fiables, pour que le public soit informé à temps et ne soit pas induit en erreur par ces rumeurs et désinformations. Malgré la médiocrité du salaire des journalistes en général, les organes de presse ainsi que les journalistes eux-mêmes devraient s'investir pour offrir de meilleures prestations au public. D'après toujours FA, Angie Aman arrive, en cette journée mondiale de la liberté de la presse, ils devraient également être conscients de ce qu'ils disent et de ce qu'ils publient afin de regagner la confiance du public. Question politique. Le président Andrzej Duda a priorisé la construction de nombreuses infrastructures d'envergure, notamment dans les domaines du logement, de la santé, du sport, du transport et de la justice. En ces 5 ans d'exercice du pouvoir, d'après les chiffres émanant de la présidence, de grands chantiers qui justifient sa consécration en tant que lauréat du super prix grand bâtisseur au trophée Babacar Diaye 2023. Dans le domaine de la santé, l'administration Radwell a mis en place 25 hôpitaux au nord Mouman Rapinch dans l'optique de la concrétisation de son vélran numéro 13, celui de promouvoir le sport comme élément fédérateur et moteur de la fierté nationale. Radwell a construit 30 stades Mouman Rapinch et 18 gymnases dans le pays. Reportage de Fitian Adoni et Yves Rassat. Le comité de sélection a particulièrement noté la livraison de la rocade Diarive, autoroute périphérique de la ville d'Antananarivo, symbole des infrastructures de mobilité durable, avec notamment l'intégration de voies piétonnes et cyclistes aux côtés des voies motorisées. Avec ses arrêts de bus sécurisés et ses points de dépôt d'ordures pour un meilleur ramassage, cette route est résolument au service de la population. Le comité de sélection a aussi noté l'agrandissement de l'aéroport d'Ivat, qui prend en compte les personnes à mobilité réduite et améliorant les parkings, ainsi qu'une signalisation piétonne désormais bien visible. Le comité de sélection note avec beaucoup de satisfaction le renforcement des connectivités de transport en milieu rural, ce qui augmente indubitablement la productivité agricole et améliore l'économie et la vie des populations. C'est grâce à ces travaux qu'il a accompli qu'Andrzej, président de la République de Madagascar, a été sacré lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur au trophée Babacar Ndiaye 2023. À cela s'ajoute son leadership personnel, ses engagements et investissements pour doter Madagascar d'infrastructures de mobilité en parfaite adéquation avec les objectifs de développement durable. Andrzej a également bâti de nombreuses infrastructures qui justifient davantage sa consécration en tant que lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur,
rapporte les informations de la présidence. En effet, l'homme fort du pays a priorisé les constructions d'envergure dans plusieurs domaines, le logement, la santé, le sport, le transport et la justice. Les chiffres de la présidence rapportent que le régime actuel a construit 720 logements sociaux, dont ceux d'Imersiatouski et de Mournav, entre autres, 122 centres de santé de base et 25 hôpitaux. Aux normes s'ajoutent également aux réalisations d'Anjradwin. En ce qui concerne le secteur du transport, l'État a mis en place 3 gares routières et 4 aérogares. En concrétisant son vœu numéro 13, celui de promouvoir le sport comme élément fédérateur et moteur de la fierté nationale, Anjradwin a bâti 30 stades aux normes et 18 gymnases à travers tout le pays. Domaine de l'entrepreneuriat, la méconnaissance de la fiscalité, notamment l'ignorance des différents types d'impôts à payer, constitue un frein à l'investissement des jeunes dans l'entrepreneuriat à Madagascar, selon leur explication, par peur d'être pris au dépourvu par les différents impôts dont ils doivent s'acquitter après avoir élaboré un projet d'investissement. Les jeunes se montrent réticents à investir dans le secteur. Aussi, suite à la rencontre entre les jeunes entrepreneurs malagas et le président de la République du mois d'avril dernier, le Programme national pour l'entrepreneuriat a organisé une rencontre entre les jeunes entrepreneurs et la Direction générale des impôts pour leur faire connaître les réglementations en vigueur en matière d'impôts à Madagascar. Mamtina Djambouloulé Omekar Demzona nous livre les détails. Une trentaine de jeunes entrepreneurs représentants du secteur primaire, secondaire et tertiaire avaient rencontré le président de la République le 17 avril dernier pour faire un état des lieux du secteur de l'entrepreneuriat à Madagascar. Des partages d'initiatives et de défis ont eu lieu pendant les échanges, mais les discussions ont surtout tourné autour des pistes de réflexion, d'amélioration et d'action avancées par le président de la République dans la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Aussi ont été avancés l'accompagnement aux certifications, l'accès au financement avec l'aide du Programme national pour l'entrepreneuriat, l'appui à la recherche par les ministères concernés, les suivis et restructurations de certaines filières, mais surtout l'amélioration des compétences et des capacités de la main-d'œuvre malagaise. Pour concrétiser donc ces décisions prises, une rencontre entre les jeunes entrepreneurs et la Direction générale des impôts, ou DGI, s'est tenue ce jour. En effet, la méconnaissance de la fiscalité continue un blocage pour les entrepreneurs, reconnaissent ces derniers. Ils sont réticents à investir dans le secteur de l'entrepreneuriat par peur d'être pris au dépourvu en matière d'impôts. Aussi, cette rencontre avec la DGI a été nécessaire pour rassurer les jeunes entrepreneurs et les informer des règlements en vigueur en matière d'impôts. D'après les précisions, ces jeunes entrepreneurs ont été mis au fait des mesures incitatives fiscales, des mesures générales ainsi que des mesures spécifiques en matière d'impôts ayant cours au pays, l'objectif étant de leur faire connaître les démarches à suivre et les types d'impôts à payer selon leur secteur d'intervention. Autosuffisance alimentaire. La vétusté et le manque d'entretien des infrastructures hydro-agricoles à Madagascar impactent fortement la productivité des cultures. Afin de trouver une solution durable pour la gestion des infrastructures agricoles et atteindre l'autosuffisance alimentaire, vélera numéro 9 du président de la République de Madagascar, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers la direction du génie rural, a organisé un atelier de consultation pour des solutions pérennes relatives à l'entretien et à la maintenance des périmètres irrigués. En effet, l'entretien et la maintenance des infrastructures hydro-agricoles représentent un enjeu de taille pour la pérennisation des activités agricoles et de l'élevage. Dixit le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Arfid Ramilson. La défécation à l'air libre a actuellement des impacts sur la santé de la population, selon les médecins. La poliomyélite existe encore à Madagascar à cause de cette mauvaise habitude pratiquée au quotidien par certaines populations du pays. La région du sud-est de Madagascar est la plus touchée par cette maladie. La multiplication des toilettes et la sensibilisation de la population sont les solutions appropriées à cette situation, selon les médecins. Mikran Djemboulaz et Arfit Routmanal.
La poliomyélite a déjà été éradiquée dans presque tous les pays du monde. Néanmoins, dans les pays en voie de développement, dont fait encore partie Madagascar, elle fait toujours des ravages auprès des populations vulnérables. La défécation à l'air libre est la principale cause de la persistance de la poliomyélite à Madagascar, selon les médecins. Dans certaines communautés villageoises, la défécation à l'air libre est pratiquée quotidiennement par les habitants de certaines régions de Madagascar, à savoir Vatvav avec 64%, Fitvunan avec 64% et Atimotsnan avec 72%, enregistrent un taux très élevé de défécation à l'air libre alors que la moyenne nationale avoisine les 40% dans l'ensemble des 22 régions de la Grande Île. On estime que 1,7 million de personnes pratiquent encore la défécation à l'air libre dans ces régions qui seraient alors considérées comme les plus sales du pays. Une situation qui affecte l'état nutritionnel et sanitaire de la population. La multiplication des toilettes et la sensibilisation de la population sont les solutions adaptées à cette situation d'après les médecins. C'est maintenant l'heure des actualités internationales. Propagande politique, manipulation économique, faux contenu généré par l'intelligence artificielle, la désinformation au sens large est une menace majeure pour la liberté de la presse dans le monde. S'alarme Reporters sans frontières ou RSF dans son 21e classement annuel. Reportage. Premier rang du classement, la Norvège pour la 7e année consécutive. Et en dernière position, sans surprise, la Corée du Nord. Dans cette cartographie mondiale, certains pays enregistrent des chutes records, comme le Sénégal, modèle régional jusqu'à peu, qui perd 31 places. La France, elle, gagne 2 places, passant du 26e au 24e rang. Un gain qui n'empêche pas Reporters sans frontières de déplorer les violences subies par les journalistes lors des manifestations. Selon l'édition 2023 de ce classement de référence, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10. RSF dénonce particulièrement l'implication des acteurs politiques dans la majorité des pays et des campagnes de désinformation massive ou de propagande. Au service de cette industrie du simulacre, comme la nomme RSF, l'intelligence artificielle, ces images de Donald Trump, du pape ou encore d'Emmanuel Macron composées par l'IA sont devenues virales. Et à une forme d'avantage du fait du fonctionnement des algorithmes et puis de nos biais cognitifs à tous. Rapidement partagés, rarement vérifiés, les données toujours plus nombreuses qui circulent sur les réseaux sociaux représentent une source d'inquiétude, largement mise en avant dans ce dernier rapport d'RSF. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir.